pas parlé via YouTube. Je vous parlais via mon blog, via Instagram, mais via YouTube ça fait très longtemps parce que j'avais perdu cette envie de filmer des vidéos plus longues, plus travaillées donc pour YouTube. Et du coup bah, me revoilà parce que j'ai eu une prise de conscience récemment et voilà, je suis de retour et peut-être pour longtemps, peut-être pas, je ne sais pas, je verrai ça au rythme de mes envies. Je voulais vous parler un peu de ce qui allait se passer donc sur cette chaîne YouTube. Et pour ça, en fait, il faut que je vous explique ce qui se passe sur mon blog et sur Instagram. Donc sur mon blog, il y a à peu près 3 articles par semaine quand je peux. C'est-à-dire quand j'ai pas de matière, je vais pas vous faire un article pour vous faire un article. Donc les jours de publication sur le blog sont lundi, mercredi et vendredi. Du coup, je poste des photos Insta le mardi, le jeudi et le samedi. Et donc les vidéos YouTube seront le dimanche. Ça fait un contenu par jour. Et je pense que je vais pouvoir tenir le rythme, j'espère. Mais quoi qu'il en soit, comme je vous le disais, je fais pas du contenu pour faire du contenu. Donc il y aura sûrement des dimanches où vous n'aurez pas de vidéo, où il y aura sûrement des lundis, des mercredis et des vendredis où il y aura pas d'articles, etc. Pour les photos Insta, c'est pareil. Je poste vraiment quand j'ai du contenu, mais ça restera toujours plus ou moins comme ça. Puisque je pense que c'est un rythme que j'ai déjà réussi à trouver avec mon blog et Insta. Et donc là, on va juste rajouter une petite vidéo par semaine. Et j'espère que ça vous plaira. Donc sur YouTube, pour le moment, il y aura 2 catégories différentes de vidéos. La première sera les updates lectures, donc dans lesquelles je vous présenterai 3 de mes dernières lectures. Donc souvent les 3 dernières que j'ai effectuées. Et ça sera toujours par 3. Donc je vous donnerai mon avis sur la lecture et je les recommanderai ou non. Et il y aura ensuite une vidéo, en fait je sais pas trop comment l'appeler, mais ce sera une vidéo bilan du mois sur mes lectures graphiques, donc album, BD, manga, donc dans lesquelles je vous le présenterai tous sous forme de catégorie, donc tous les albums d'abord, toutes les BD ensuite et tous les mangas ou dans un autre ordre, hein, peu importe, mais du coup je vous les présenterai comme ça. Alors oui, si je vais vous parler d'albums, de BD et de manga, c'est parce que j'en lis de plus en plus. C'est vrai que j'ai la chance d'en recevoir beaucoup, surtout des albums pour enfants. Et j'adore ça, j'adore les lire avec les petits qui viennent à la maison, etc. Donc c'est vrai que j'en lis de plus en plus et j'aime partager ça avec vous. C'est d'ailleurs ce que je fais déjà sur mon blog et sur Instagram. Je pense que pour cette vidéo, c'est déjà tout. Ça sera très court, mais je pense que c'était tout ce que j'avais à vous dire. Si j'ai d'autres choses à rajouter, je vous noterai sur l'écran ou dans la barre d'infos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai soit directement sous vos commentaires, soit dans une vidéo. Si je vois qu'il y a beaucoup de questions, bah, je ferai une vidéo FAQ à voir. Mais du coup voilà, c'est tout. Je vous retrouve très vite, je l'espère. Et en attendant, bah, lisez bien.